L'Union européenne veut apporter son aide à la Turquie et la Syrie frappées par le terrible séisme du mois de février. Alors que s'ouvre ce lundi à Bruxelles une conférence des donateurs pour venir en aide aux victimes des régions durement touchées, les ONG réclament plus de moyens. Après 12 ans de guerre, la situation est particulièrement difficile dans le nord de la Syrie. It's been over a month and the needs are still urgent at this point. People need the most basics, so they need food, water, shelter and really just critical needs. That's both here in Turkey where I am in southern Turkey and across the border in Syria. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, les dommages causés par le tremblement de terre en Turquie pourraient dépasser les 100 milliards de dollars. Les économistes distinguent les estimations basées sur les effets directs et indirects de la catastrophe. Only if you take into consideration the direct effects, then the amount is roughly $35 billion. And if you take into account the indirect effects, then the figure goes up to $75 to $80 billion. Le séisme du 6 février de magnitude 7,8, suivi d'un autre 9 heures plus tard de magnitude 7,6, ont tué plus de 48 000 personnes en Turquie et 6 000 en Syrie. Ces chiffres continuent d'augmenter dans les deux pays.